Ici Zephany Kinfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Melly. Excusez-moi pardon que je baisse un petit peu le volume parce que je le trouve un peu fort. Voilà, c'est mieux. Ok. Et oui, Kirby contre Young Link level 1. Je sais pas pourquoi, mais... genre... hier et avant hier, puis aujourd'hui, je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Kirby. Je sais pas, j'ai pogné un délire de jouer avec le perso le plus nul au monde, Amélie, dans les... dans genre les tournois là. Genre Kirby, ça a l'air que c'est le moins maniable. Je crois qu'aujourd'hui je vais en profiter pour vous montrer comment faire un sudden death avec les masques, avec les vies. Parce qu'on peut faire des sudden death, c'est-à-dire quand on a le même score dans les temps. Par exemple, on a tous les deux, on a genre tué personne, mais on ira au sudden death pour savoir qui gagne. Mais au vie, c'est genre celui qui survit qui gagne. Mais avec Kirby, c'est possible de faire un sudden death en vie. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ou essayer, parce que ça se peut que des fois, l'ordinateur se déborde. Allez, viens, allez. Comme ça. Je l'ai pas attaqué, hein. Je l'ai pas attaqué. Il est mort tout seul. Puis il y a un truc maintenant que je pense à tester. Qu'est-ce qu'on fait si on fait ça dans le sudden death? Oh! On peut prendre Pichu, pourquoi pas. On va essayer de faire le sudden, de faire le truc sudden death dans le sudden death. On va voir ce que ça donne. Ok, ouais, je suis mort! Mais pas Pichu! On va réessayer ça. Avec un autre Kirby. Oui, parce que Jigglypuff, c'est clairement un Kirby, on est d'accord. Elle fait les mêmes affaires. Bon. Allez, viens. Ok, what? Ok, même si j'ai fait ça, genre c'est le joueur 1 ou genre celui qui joue qui gagne, je crois. Genre toujours, parce qu'on est mort les deux en même temps. Anyways, là je vais jouer pour de vrai. Alors bien sûr, je joue contre des CPU level 1. Hein. Je suis pas aussi bon qu'avec Marthe non plus. Un dégât, puis c'est à cause du scrolling. Oui, je suis sur mon ordi en même temps, il y a un problème. Je
j'adore le stage de History, ça paraît dessus. Alors je vais mettre en Kirby vert, mais pour une raison, parce que j'ai actuellement un toutou Kirby vert. Voilà. Puis en plus, genre le truc pour dire genre la langue, ça, il est en japonais. Ben vous le voyez pas, mais il est en japonais. Anyways, c'est pour ça que je le mets en vert. Parce que là j'ai oublié. Oui, j'ai mis level 9. Cette coupeur, mais rien ne s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que je suis moins fort qu'avec Marc? Parce que c'est littéralement lui qui s'est suicidé pour que je gagne. Alors on va inverser les rôles. Thank you.
facile de jouer avec Marthe, je trouve. Mais c'est cool de jouer avec Kirby quand même. Bordelais qu'on manque, c'est celui-là quoi. Puis je suis mort. Avec Marthe. C'est mon excuse de merde. Alors, il faudrait que j'utilise aussi les contre-attaques.
bien que ça marche. Hein. Et pour finir cette vidéo, eh bien, je vais faire un mode classique. Very easy, c'est correct. Pour Kirby, le why. Well, that was easy. Well, that was horrible. C'était pas voulu, ok, j'ai pas pu remonter.
stupides bombes qui marchent. Alors déjà, des bombes, ça marche pas. Même s'il y a des jambes, ça marche pas, ok? De toute façon, les scènes ne les utilisent plus. J'ai tous les trophées. La machine à trophées ne veut plus m'en donner. Genre, il faut genre 0,00 chance de pogner un nouveau trophée. Alors que je mets le maximum de scènes possible. The fuck. Je voulais montrer dans... Je voulais déjà montrer dans une précédente partie de Space Marvel Smelly. Fait que lâcher l'item, ça fait mal.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo si justement vous l'avez aimé. Vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne, à la chaîne NatureWizard022 et à la chaîne Papy de Bebette pour voir les vidéos rentrantes si ça vous tente. À la prochaine tout le monde!